Karena Muhammad Alaihissalam pada saat itu ayahnya begitu,
sagemata lame qualis estariami e se sempre un giorno di un giorno avete lì un prodotto non so a partire di un dato e lo calendario a partire di 7 per una seta di immigrazione Muhammad sallallahu alaihi wa sallam si è compagno a me e l'immigrazione che si è un regime di immigrazione l'immigrazione ha servito il suo l'Islam l'immigrazione ha servito il suo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam et l'immigration d'aide, d'enseignement et de défense. Et c'est par exemple un outil historique des calendriers musulmans par Dieu, l'immigration, le déplacement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec sa personne et sa mission qui était l'Islam, et le compagnon adhéré, nous supplie l'Islam pour que chacun de nous, moi et toi, et chacun de nous ici présents, fort ailleurs, nous considérons comme la volonté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première des choses que nous pouvons faire, mieux commencer, mieux accorder cette année 1443 ici, par la rigueur de la croix de l'Allah, par le bonheur de la croix de l'Allah, sans le bonheur de la croix de l'Allah, par l'acte de Sia, par le bonheur de la croix de l'Allah, par le bonheur de la croix de l'Allah. Mohammed Ali sallallahu alayhi wa sallam va nous parler de l'importance de ce premier mois du calendrier musulman. De ce premier mois, comment le chef, le premier musulman va commencer l'année. Il dit, Asdal Siya, il dit le meilleur jour, il dit le meilleur jour, pas dans le Ramadan, après le mois de Ramadan, c'est-à-dire le mois de Ramadan, il n'y a pas d'émission là-dessus, c'est le meilleur mois du jour. Après le mois de Ramadan, chaque mois qui nous parle, il dit, après le mois de Ramadan, il y a le meilleur mois du jour, et c'est le mois de Muharram qui suit le mois de Ramadan en termes de qualité. Et nous sommes dans le mois de Muharram, nous sommes déjà dans la famille. Donc, comment aborder cette année? Nous pouvons aider. Car Muharram sallallahu alayhi wa sallam nous a orienté là-dessus. Car après le mois de Ramadan, c'est le meilleur mois du jeûne. Il dit c'est fini après le mois de Ramadan, c'est le mois de Muharram, le premier mois du calendrier musulman qui est en cours et nous sommes déjà au deuxième jour. Les quatre jours. Mais on va me poser la question. Moi, je ne vote pas bien, je ne veux pas aider, je ne veux pas faire ce que oui. Récemment, quand on parle du jeûne, c'est pour la façon de Isaïe A.S. Tout à fait Allah aime, tout à fait Allah a recommandé de faire, si je ne peux pas gêner, si je veux poser cet acte, et c'est sûr que vous avez bien abordé cette année 1443 et demi. Et nous retenons aussi, quand on parle de 1443 et demi, il y a une particularité. Je vous dis dans le Saint-Coran, il n'y a que de la journée qui n'a pas l'air d'une affaire à la chambre. Il dit le nombre de mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est de 12 mois. Fin du capital, dans le livre saint. Le Mansara Kassara wa ta'ala, le jour où Allah a créé à l'esprit de la terre, il a apparu et Dieu a choisi parmi ces 12 mois, il a choisi encore 4 autres mois et les a rendus sacrés. Nous parlons de mois sacrés, mais savez-vous que le premier mois de calendrier musulman, c'est le premier mois de mois sacrés. Voyez-vous, la particularité encore de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous terminons l'année avec un mois sacré, c'était le deuxième mois du mois des Hajj, et nous abordons, nous commençons l'année avec un autre mois sacré. Que nous disons de la part de sallallahu alayhi wa sallam, pour donner à chacun comment se reconstruire, comment revenir à Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la particularité de ce mois, c'est un mois sacré, et le Messager sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est le mois que Allah aime plus du jeûne à part le mois de Ramadan. C'est-à-dire, le mois de Ramadan, en termes de qualité, qui passe le mois de Ramadan, mais le mois de Ramadan vient automatiquement après le mois de Ramadan. Fidèle musulman, si j'arrive à gérer quelques jours, tant mieux. Et si je n'arrive pas à gérer, toute la dévotion, d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala est bien accueillie. Par exemple, moi je ne peux pas gérer, mais je peux donner de l'argent. Je peux donner une bonne parole, je peux donner des conseils, je peux orienter les gens. C'est-à-dire la générosité en tout sens. Quand on parle de la générosité, beaucoup pensent que non, ça s'est limité au côté de moi. Il ne m'a pas donné de l'argent, oui. Quelqu'un ne peut pas te donner de l'argent, mais s'il t'oriente, je dis bien s'il t'oriente dans ton projet, et que tu seras gagné de l'argent, je pense qu'il t'a donné plus. Quelqu'un qui t'a aidé à choisir un bon recours, soit une bonne recours, je pense que la personne t'a donné beaucoup. Quelqu'un t'a aidé à éduquer ton enfant,
la personne qui a donné beaucoup. Donc, donner la générosité, et c'est qu'il n'y a pas seulement ici, par des éléments pour l'argent, ça c'est pas pour délai de vous, ça. Tout ce qui est à la haine, tout ce que vous pouvez apporter à autrui, que Dieu a recommandé, ça fait partie des œuvres de dévotion pour que vous ne soyez pas béni en commençant à comparer avec cet acte. Deuxième acte que nous proposons pour Dieu aborder le mois de l'année 1443 ici, Mohamed Ali Sallallahu Alaihi Wasallam va nous parler d'une autre particularité encore dans ce mois, c'est-à-dire le deuxième mois du musulman, en commençant l'année musulmane dans les meilleures conditions. Rawat al-Mizi, Imam Abi Qatada, radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala, wa siyamu ashura, inni ahtasib ala Allahi, inni kafir al-salam, jadi qablah. Et ici, Imam al-Mizi rapporte ces hadiths. Et dit après le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en parlant des valeurs du mois de Muharram et des attributs composés et de la lumière de la Shura. Tout à l'heure, nous avons parlé en totalité généralement du mois de Muharram. On peut éviter une grande partie de ce mois de Muharram. On peut éviter une grande partie de ce mois de Muharram. Mais une autre particularité sur le jeûne de la Shura. Qu'est-ce que c'est? Ashura, c'est le 10e jour. Puisque moi qui est en cours, et j'ai la 7 année, ça correspond au jeudi. Au jeudi, c'est le 10e jour de Ashura. C'est-à-dire que Ashura tombe sur le 10e jour chaque année. Il n'y a pas de 10e jour, il n'y a pas 11e jour, c'est le 10e jour. Mais pourquoi Ashura? Mohammed Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, il y a une coïncidence. Lorsque Mohammed a immigré à Médine, lorsque Mohammed s'est déplacé pour aller s'installer à Médine, en créant un État islamique, quand on parle d'un État islamique, c'est l'État islamique positif que l'on parle. C'est l'État islamique où chacun avait ses droits, musulman ou non musulman. Tu es riche ou tu es pauvre, chacun avait ses droits. Et Mohammed Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, qui était le gouverneur de cet État, lorsqu'il arrive à Médine, il n'a trouvé que les juifs commémoraient déjà cette date, c'est-à-dire le 10e jour de ce mois qui est en cours. Et Mohammed Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, pourquoi vous commémorez cette fête. Et nous reconnaît à l'Israël alayhi sallallahu alayhi wa sallam en disant que c'est à cette date-là, c'est à ces jours que Allah a sauvé Moïse et son peuple contre le pharaon. Et dit bien Allah a sauvé Moïse et son peuple contre le pharaon. Donc nous manifestons notre foi, notre reconnaissance, notre gratitude vers notre Créateur. Et Mohammed aussi nous a répondu, nous avons parlé de la réponse à l'époque. Il dit, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a plus de droits sur Moïse que vous. Et à partir de ce moment, Mohammed a recommandé à la communauté de guérir le 10e jour. En général, 10e jour, qu'est-ce que nous allons faire? Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, quiconque jeûne le jour de l'Ashura va envoyer une émission, une expiation, une pardon d'une année passée. Quand on jeûne le Ashura, vous savez qui peut gêner, si bien une année passée, Dieu va effacer, Dieu va pardonner tes péchés. Donc ça c'est l'importance de l'Ashura. Mais l'Ashura a été une coïncidence avec l'immigration de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui donc le calendrier musulman pour 1443 hijri. Nous sommes déjà le 4e jour de Mohammed, le premier mois de 1443 hijri. Donc le jeûne de l'Ashura est fortement recommandé. Si on n'a pas d'empêchement, on n'est pas malade. Donc, il faut tout faire pour voyager. Quelqu'un peut nous dire, ah, ça fait déjà plus de 20 ans, moi je viens de la Shura. Donc, si c'est 20 ans d'arrière, c'est que Dieu a déjà pardonné tous les péchés. Oui. Mais nous croyons, dans l'adoration, on doit avoir des attitudes. Lorsqu'on adore Dieu, il y a des sentiments qui doivent nous arriver. Le premier sentiment, est-ce que Allah a accepté leurs péchés en train de côté? Le geste que j'ai fait, la prière que j'ai accomplie, la zakat que je donne, est-ce que Allah accepte? Et le deuxième sentiment, si Allah accepte les jeûnes, pourquoi ne pas augmenter? Ne sois jamais satisfait des écrivains. Ne sois jamais satisfait avec l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, car lequel de l'être humain peut balancer à tout moment. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous mette toujours sur le droit chemin. Donc le jeûne de la Shura est fortement recommandé à ces. En abordant l'année 1443 ici. Mais Mohammed Ali Sallallahu Alaihi Wasallam va mettre en place une différence entre nous et les gens de Dieu, c'est-à-dire les gens qui l'ont trouvé, qui l'ont trouvé à venir. En général, la Shura, il décide à la main garder vivant pour l'année prochaine, j'ai généré le 9e jour. Il dit, j'ai généré
elle est aidée avant l'année suivante. Donc il y a celui qui peut gérer le même jour qui vient, mais plus important ici, c'est le 10e jour qui est le jour des Ashura. Et recommandé aussi, si vous pouvez gérer le 9e jour, c'est-à-dire le 10e jour, en ajoutant un jour, cela aussi est souhaitable. Mais l'objectif majeur, c'est le 10e jour, le jour des Ashura, à ne pas rater. Chaque croyant, chaque musulman ici présent va inviter la famille et ses amis à pouvoir observer cet avantage pour mieux aborder l'année qui est en cours, qui est 1443. Troisième élément, comment aborder l'année 1443 ici? Comment manifester sa joie si c'est une année musulmane? Si c'est une autre année, on interdit de participer à la fête des autres. Mais quand la fête, comment manifester cette fête? Voyez-vous, les fêtes ont leur particularité en islam. Comme l'imam l'a dit dans le sermon passé. Le mois de Ramadan, soit après 30 jours ou 29 jours, nous allons continuer avec des rakats et un khutbah où on va partager le feu. La fête de Tabaski, nous allons consacrer 10 jours ou 9 jours en jeûnant, en posant des zakats, ce sont les meilleures journées de l'année. Et à la fin du 10e jour, nous allons poser 4 apports, 2 à 4, plus un khutba, et nous allons souhaiter un feu. Qu'est-ce que chacun comprenne? Quand on parle, notion de la fête en islam ne se sépare jamais de l'adoration de Dieu. Notion de la fête en islam ne t'autorise pas à consommer ce que l'islam a interdit. Notion de la fête en islam, c'est un moyen de s'approcher à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment se fait-il que lorsque tu viens manifester ta joie vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es en train de désobéir à Allah? Car 1443 Égypte, c'est une année de plus. Mais au même moment, c'est une autre. Que chacun retient, au fur et à mesure que nous avons son âge, on est fait de consommer ce que Dieu a prévu pour nous. On dit, oui, j'ai 60 ans aujourd'hui, il y a 60 ans, il y a déjà consommé 60 ans. Si tu avais déjà décidé 80 ans pour toi, donc il ne reste que 20 ans, etc., etc. Donc le croyant musulman doit faire très attention lorsqu'il va manifester sa joie au bout de l'année 1443 ici. Meilleur moyen pour manifester sa joie, et au bout de ce 1443 ici, pour dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'être reconnaissant. Et la reconnaissance vis-à-vis d'Allah, c'est de s'approcher plus à ce qui t'a rendu obligatoire. Et ces prières, la zakat, le jeûne, le respect des parents, dire la vérité, à ne pas mentir, à ne pas tricher, à ne pas corrompre, à ne pas être un acteur de la religion. Et c'est à partir de là qu'on dira que toi tu as bien abordé l'année 1443 ici, et toi tu as bien compris comment le musulman doit manifester sa joie vis-à-vis de la loi subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, l'année dernière, 1442 ici, il y a beaucoup qui étaient parmi nous, où ils sont aujourd'hui. Ils sont partis dans l'Opéra. Et il y a d'autres qui vont appuyer sur eux après cette prière, soit ici ou ailleurs. Mais qu'est-ce qui t'a donné cette prière, cet avantage, et toi et moi, que nous soyons encore sur terre vivants, en Allah subhanahu wa ta'ala, lucidement, qu'est-ce qu'on va dire à Allah? Nous devons dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala, en nous engageant deuxièmement, dans ce sens-là, à ne jamais désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, fidèles musulmans, nous devons nous approcher plus davantage à Allah, et c'est à partir de ce moment nous allons manifester notre joie, notre reconnaissance vis-à-vis d'Allah, et en nous éloignant de tout ce qui est interdit. Et quand on parle des liens, nous revenons là-dessus toujours à penser à ceux qui n'en ont pas. Je dis bien à penser à ceux qui n'en ont pas, les ennemis, les pauvres, les prisonniers, et nous devons les soutenir, les malades. C'est dans plus que partage. Quand on parle de l'État islamique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a donné la naissance à notre calendrier, c'est pourquoi nous devons garder la justice. Les gens se plaignent, les gens partagent, l'appellent l'altruisme. Moi j'ai besoin, lui il a besoin, mais je veux privilégier ce qu'il y a des millions. Donc tant que la communauté ne retient pas ces mêmes valeurs, il va y avoir toujours des problèmes par les gens. Donc partageons, que ça soit lié, des moyens, partageons ce qu'on a. Et voyez-vous, je pense que sans lui, le monde va s'arrêter. Nous parlons de 1443 et nous avons une nouvelle année. Je pense que sans lui, le monde va s'arrêter. Jamais le monde ne s'arrêtera pas. Voyez-vous, dans les états où les chefs d'État sont décédés, dans leur pays, qu'est-ce que le pays
arrêter. Le pays ne s'est pas arrêté. Le pays continue. Multimilliardaire, les entreprises que tu as créées, tu penses que le jour que tu mourras, l'entreprise sera fermée. Jamais, l'entreprise ne sera jamais fermée. Pourquoi fermer l'entreprise? L'entreprise fonctionnera toujours. Pour te dire, ce que tu vas avancer pour toi, c'est ce qui est pour toi. Ce que tu resteras derrière toi, ne t'appartient pas, appartient à tes héritiers. C'est notre présentation. Nous nous engageons dans 1443 et dit, ce qu'on n'a pas pu réaliser au cours de 1442, et chacun a dit à réaliser plus. Des églises d'attaque car personne ne connaît le jour de son jour comme le chef Aïman à la Trinité, car nous leur avons nos créations. Et à ce titre, il y a un poste qui dit dans un poste qui n'est pas pour la famille, il a dit dans des locataires et il a dit comme une fata en sa France par Dorina, voilà que nous suivions par Fatou Boua pour la réalité. Et un poète alors qui dit ceci lorsque tu veux faire, fais bien. Combien parmi nous, l'année était bien pourtant, on a partagé pour les deux rien comme on a l'habitude de dire, mais le matin on t'appelle pour t'annoncer son décès. Personne ne sait là où tu mourras. Donc faisons un effort à rester toujours le monument avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la relation et en nous éloignant au maximum de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. C'est l'objectif de ce serment qu'on a abordé 1443 et qu'est-ce que nous voulons? Nous retenons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, Dieu les a demandé beaucoup. Dieu les a demandé beaucoup jusqu'à ce que Dieu va les demander de quitter la Mecque pour aller à Médine, pour pouvoir sauver l'islam. D'autres ont tout perdu, qu'est sauvé par la Mecque, qui est venu à la Mecque, il était pauvre, et il s'est enrichi à la Mecque, qui est devenu riche. Lorsqu'il a décidé de quitter la Mecque, les deux fois ont commencé à lui dire, donc en venant chez nous, tu étais pauvre, et aujourd'hui tu te retrouves avec cet argent, le monsieur te propose, choisissez entre mon argent et ma personne, gardez mon argent, il est là, tout laissé, et il allait à Médine en suivant Mohammed, sans pouvoir voir les voisins. Est-ce qu'il vous pose la question? Est-ce que Dieu vous a demandé de migrer? Est-ce que Dieu a demandé à quelqu'un parmi nous de quitter Abidjan pour aller ailleurs? Non, Dieu n'a pas demandé, mais qu'est-ce que Dieu nous demande? Si Dieu a demandé autant aux messagers et à ses compagnons, qu'est-ce que Dieu nous demande et qu'est-ce que Dieu te demande? Dieu te demande de t'associer à lui. Priez à lui. Si tu ne connais pas la prière, cherche à comprendre la prière. Si tu ne connais pas la prière, cherche à comprendre la prière. Et il faut inviter ta famille à mieux comprendre la prière. J'ai dit bien à mieux comprendre la prière. Quand on ne comprend pas quelque chose, on ne pratique pas la chose. Et nous avons la chose nous les guerres. Mais quand on comprend mieux une chose, pratiquer la chose, vraiment, c'était un exercice pour nous. Donc là, nous donnons la bonne compréhension. Et ce que Dieu veut demander, c'est que Dieu demande à chacun de vous, comme la hijra, comme l'immigration, en nous éloignant de tous les hommes éternels dans la subhanahu wa ta'ala. On le sait là. On sait que là, dans ce gré, on n'est pas que des paroles déplacées. On encourage que la tributude. On a toujours que seulement la fornication, c'est que je vais tout faire de m'éloigner de ces grains. Ça, c'est l'objectif de 1443 et demi. J'ai une fréquentation vraiment celui-là. À chaque fois que je lui demande de prier, il ne prie pas. Il vient à la maison, il est de la prière à 10 minutes, à jour, il vient à la voix, il n'a jamais prié chez quelqu'un. Il suit sa responsabilité, il suit ses obligations. Arrange-toi à se débarrasser de ces derniers si tu n'arrives pas à les changer. L'objectif, tu dois l'amener à changer et si tu es capable de l'amener à changer, il faut te retirer de la personne. Voilà ce que Dieu nous demande en termes d'immigration. L'immigration n'existe plus, là on va immigrer avec notre propre âme. On va lutter contre nos passions en suivant notre foi dans le Ta'ala, en désobéissant totalement au Shaitan. Donc c'est l'immigration qui nous reste et je prie à notre foi dans le Ta'ala qui nous dit sans cesse sur nos droits humains. Et qui parle de nous des musulmans qui est sincère et revenir là-dessus le jeudi, c'est le 10e jour, qui tombe sur le jour de la soirée, Inch'Allah. Et tout le monde est invité, ceux qui peuvent aider, qui viennent, et ceux qui ne peuvent pas aider, tout ce qui est à l'aide. Ce que vous n'avez pas pu donner pendant le mois de Ramadan, à vos proches, aux pauvres, aux nécessiteux, pourquoi ne pas faire ça le jour de la soirée? C'est un mois sacré, et le jour, c'est un jour exceptionnel. Et de nous voir aussi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a invité sa communauté à pouvoir poser plus d'interrogation à cette date-là, car nous avons une compréhension et qui nous fait vivre le jour de la Torah.
suis allé au pays, la paix, la sécurité, et l'augmentation à la foi, chacun de nous, Inch'Allah, à tous les